Bonjour et bienvenue sur la chaîne DB Bois. Cette semaine, on termine la station d'affûtage. Alors, pour cette semaine, pour terminer cette station, on va travailler sur les façades. Comme vous avez pu voir, moi, vous avez dû regarder les autres vidéos avec les feuilles de calcul. Il y a différentes méthodes. On peut mettre 30 mm, 40 mm entre les tiroirs. Moi, ici, j'ai mis 20 mm parce que je suis sur des rails à coulisses. Donc, on peut resserrer cet espacement entre les tiroirs. Pour fabriquer ça, je vais juste reporter mes mesures à 10 mm. Et moi, ce que je laisse 2 mm tout autour du tiroir. Et entre les deux tiroirs, ce n'est pas 4 mm, mais ça reste aussi à 2 mm pour l'œil. Donc, 2, 4, 6, 8 mm sur la hauteur qui va être répartie. Ensuite, j'ai fabriqué des petits systèmes pour venir maintenir la façade parce que c'est toujours compliqué. Des petits systèmes qu'on vient serrer ici et on vient maintenir la façade ici. On vient maintenir la façade contre. Ça, vous retrouverez ça en lien Amazon. Vous verrez, pour ceux qui ne peuvent pas les fabriquer, ça existe tout fait. Et moi, je vous mets le plan dans la description, juste en dessous. Allez! On va monter ces façades. Alors, pour ces façades, je l'explique rapidement, mais c'est quelque chose de tout simple. On a trois tiroirs, donc on va se retrouver avec trois façades, ici de différentes tailles. Voilà, ici, c'est très simple, elles sont identiques. Vous retrouverez de toute façon la feuille de calcul. Moi, je laisse 2 mm à chaque fois. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez laisser 2 ou 3 mm. Voilà, donc ici, on va voir la cote parce qu'entre les deux, j'ai laissé les 20 mm. Ici, on a la cote ici. Donc, pour ces façades ici, on est sur, donc en largeur, on a nos 560 moins de là, moins 4 mm. Et ici, on est sur 308 de haut. On divise par 2, ce qui me donnera quelque chose. Et ce quelque chose ici, on retire moins 3 mm. Et on aura la façade. Voilà. Pareil pour les autres. À chaque fois, on fait le calcul. On a 308. 308 ici. On se retrouve ici avec 60, 70 plus. On va dire 12,5. Donc là, on a 60 plus 10 plus 12,5, etc., etc. Et sur le premier, le calcul, c'est toujours pareil. On prendra le nombre ici qu'on retrouvera et on enlevera 3 mm. On aura la hauteur de la façade. Moins 3 mm. Voilà, je fais les calculs et on débite tout ça.
Bien, bon, ça y est, comme vous pouvez voir, ce projet est maintenant terminé. Toutes les façades sont fixées. Donc, j'ai mes 5 tiroirs ici avec l'ensemble de l'outillage pour mon Tormec. Donc, ici, comme vous avez pu voir, j'ai pu utiliser cet élément. Franchement, c'est assez pratique parce que on vient le serrer, on règle la façade, on serre ici. Le serre-joint, ça tombait tout le temps, j'arrivais pas à les mettre. Ça, franchement, c'est super pratique. Je vous mettrai le lien dans la description en dessous. De l'achat soit sur Amazon ou alors le plan de celui-ci pour le fabriquer vous-même. J'ai fait un essai d'affûtage. Ben, franchement, j'en suis super content. Je travaille à la bonne hauteur. Franchement, assez précis. Là, j'ai pas mal de boulot parce qu'il va falloir que j'affûte tout l'ensemble de mes outils. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Enfin, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Mais le plus important, prenez soin de vous. Allez! À la prochaine. Ciao.